Bon. Marc-Antoine Van Basten, le footballeur. Charivari. Le principe un charivari, c'est quand c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar alors? Second, on dit en anglais. First, second. You know what? I'm like a person who's speaking two languages in the same way.
Non, non, ça marche pas. On voit pas ma tête parce que ma caméra elle marche pas. Parce que c'est de la grosse merde. Et que ça me fait bien chier. Merci pour le retweet, Crystal Raph. Ralph, je ne sais pas qui tu es, mais c'est gentil. C'est toujours le bazar. Excusez-moi, petit rototo, je bois un... Ah bah, vous voyez pas, puisque je n'ai pas mis la caméra. Je me bois un petit pisse pépé. Ah, c'est comme les pisse mémé. C'est juste qu'on fait pipi debout. Bon bah vous me dites s'il y a un problème. Est-ce que vous m'entendez bien parler? Est-ce que ma voix est claire? Est-ce que le son du jeu correctement fonctionne? Ma syntaxe par contre elle, c'est à revoir. Ah, c'est normal. Est-ce qu'il y a... Pourquoi? Ah oui, c'est normal. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont un objectif de carrière dans la finance? Auquel cas je ne pourrais pas les aider. Voilà. Nous entendons ta voix. Waouh. Salut Bastien, le tellier. Bonsoir, comment ça va depuis le temps? Eh ben écoute, ça va bien. J'ai changé un peu. J'ai rasé mes cheveux et j'ai laissé pousser un peu ma barbe, mais sinon ça va. Et tu ne le verras pas parce que ma caméra refuse de fonctionner correctement. Elle fonctionne quelques instants et se fige. C'est très chiant et je ne sais pas pourquoi, donc je pense qu'il faudra que je change de caméra pour en acheter une qui fonctionne. Pourtant celle-ci n'est pas si vieille, elle devrait fonctionner, mais voilà, c'est comme ça. C'est frustrant. J'ai bien envie de dire non, on t'entend pas, mais tu ne me croirais pas. Ça marcherait, hein. Ce genre de blague, moi je cours. Allez, bah je vous propose de commencer et puis en fait on va discuter tranquillement de qu'est-ce que c'est que ce nouveau projet que je lance, qui est un nouveau projet très sympa. Ce que je propose, c'est que je ne vous montre pas dans un premier temps. Mais si, sinon le son est parfait. Qu'est-ce que j'entends? Michael qui prend un abonnement de niveau 1, monsieur. Eh, c'est ton 17e mois d'abonnement? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi t'as 17 mois d'abonnement? Tu peux pas avoir 17 mois d'abonnement sur ma chaîne? Mais comment ça se fait? Michael? Mais t'es fou? Oui, c'est un immeuble. Il sera immobile, donc c'est un immeuble, techniquement. Merci Michael, tu es alerte au cheater. T'as pas stoppé l'abo, mais t'es ouf! Pourquoi t'as fait ça? Ah, mais c'est à cause de toi que j'ai gagné des sous. J'ai du mal à exprimer. C'est à cause de toi que j'ai gagné. C'est grâce à toi que j'ai gagné des sous sur Twitch. Twitch m'a versé 70 balles. C'était 70 balles en fait. Ah bah super, merci Mickaël. Mais c'est n'importe quoi de faire ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Je vais pas t'engueuler, hein, mais. Oh là là, bah c'est incroyable. Bon bah merci Mickaël. Je sais pas quoi dire. Je suis limite gêné. Oh là là. Bon. Et je vous propose qu'on débute. Hein. Alors attendez, parce qu'il faut que je regarde. Ça, c'est bon. Est-ce que... Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Ça fait plaisir. Attendez. Oui, c'est clair. Putain, j'ai jamais vu quelqu'un attendre aussi longtemps. C'est incroyable. Tu seras... Récompensé. Je ne sais pas encore comment, mais forcément, il va falloir que tu sois récompensé, c'est pas possible. Une telle fidélité. Même mes chats sont moins fidèles. Alors, attendez, parce que là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est juste parce que... Alors, ça, c'est bizarre. Est-ce que c'est...
Ok. Oh là 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 là, le spoil! Ah, le spoil de ouf! Voilà. Il a tout spoilé. Du coup, j'ai pas pris les bons. Pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Ouais, mais bah ouais, mais c'est. Moi, je trouve que c'est fou, mais. Moi, je trouve que c'est de la folie. Voilà. Mais après, y a des formes de folie qui sont. Bénéfiques, on va dire. Allez, je vais prendre de ça. Et je crois qu'il me faut aussi de la diorite. De la di. Je suppose que je ne l'ai même pas préparée parce que j'ai oublié si elle est là. De la diorite polie. Allez, c'est parti. C'est le début. Et voilà, on a commencé. Bon, bah c'était un bon live. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Non, mais on va commencer. Ce que je propose, c'est que pour l'instant, je vous montre pas le bâtiment. On va juste le construire, le début. Et à la fin du live, oh putain, je tease de ouf, qui va durer 7 heures, je vous montre le schématique, voire le bâtiment sur le créatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, non mais c'est insupportable. Mais Lightmatica, en fait, je pense qu'il doit un peu. Je trouve qu'il bug un peu avec moi sur 1.19. Parce que si je me déconnecte et que je me reconnecte, il est un peu. Il faut le relancer. Enfin, il faut lui donner un petit coup de pied aux fesses pour qu'il reparte. C'est un peu relou. Alors évidemment, je n'ai pas du tout prévu l'éclairage, donc ça va être pourri de monstres dans tous les sens. Mais bon, c'est Minecraft, hein. Faut jouer avec le jeu. Digne d'un streamer pro. Bah ouais, maintenant que j'ai une 70 balles sur Twitch, pour m'acheter des knackis, je peux te dire que je vais tisser de ouf, hein. Je vais me la jouer pro. Maintenant, je vais plus dire quand les gens y follow, je vais dire que quand ils s'abonnent, leur nom. Parce que c'est pas la peine normalement quand ils follow. Bah, on s'en fout quoi. Follow, c'est quoi? C'est le bas peuple qui follow. On veut qu'il est vrai. D'accord. Merci de l'info, Mickaël. Ça me rassure. Ça veut dire que je ne suis pas fou. J'ai bien repéré un truc qui ne fonctionnait pas normalement. Parce que des fois, hein, tu sais. Alors, j'ai envoyé des annonces de live dans tous les milieux que je côtoie. Donc, il y aura peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude de venir. D'ailleurs, s'ils sont là, qu'ils se manifestent, qu'ils fassent un petit coucou pour me dire, hey, salut, je suis là. Comment tu vas? N'ayez pas peur, c'est pas parce que je suis tout vert que je fais du mal. Les points de chaîne ne fonctionnent plus. Putain. J'aurais dû vérifier avant. Je vais regarder ce qui ne va pas. C'est peut-être juste qu'il faut que je donne un petit coup de pied aux fesses à Stream Bidule là. Comment ça s'appelle déjà? Est-ce que c'est ça? Alors, j'utilise plusieurs trucs, donc je suis un peu perdu. Hey, c'est Val. Coucou Val. Allez, tout le monde, dit bonjour à Val. On fait un gros bisou à Val qui arrive. Oui, je crois que c'est ça. Ça va? Alors, voyons voir. Non, pas comment c'est la diffusion. Qu'est-ce que c'est que ça? Fenêtre d'alerte. Tous les modules.
Ça, c'est les analyses. Est-ce que c'est là-dedans? Non, ça va pas être là-dedans. Charity Spotlight. Ah ouais, bah, je m'en fous complètement de ce truc-là. Bon, je sais plus ce que j'utilisais pour les. Comment ça s'appelait déjà? T'as, le mec, il a tellement pas livé depuis longtemps, il est complètement perdu là. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ah si, j'ai peut-être mis ça là, attendez. Il y a Wizboat. En fait, peut-être que les connexions par Twitch, elles ont sauté, parce que ça fait trop longtemps que je me suis connecté. Mais du coup, faut relancer. Fermer. Alors, ça, c'est quoi ça? Ok. Activer, désactiver. Alors, attention, on va tenter un truc. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Déjà, mais c'est pas ça qu'on voulait, mais ça fonctionne. Nous, ce qu'on voulait, c'était les points de chaîne. Et les points de chaîne, c'est sûr. Je sens que je vais me faire manger par des stremons. C'est sûr. Voyons voir. C'est pas là. C'est là. Tac, 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 tac. Welcome. C'est ça. Login. Voilà. En fait, les autorisations, elles avaient sauté, mais c'est normal, je pense. Elles ont dû être limitées. Pursue. Non, pas du tout. Ok. Attends, on retente. Attention. Fichtre, ça n'a pas l'air de marcher. Oui, c'est mes identifiants, en fait, c'est Twitch, donc ça va. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que c'est pas un problème lié à OBS? C'est vraiment le moment de faire ça, hein, franchement. Ah, qu'est-ce qu'il est relou avec ces trucs là? Alors, ça c'est Streamlabs. Ça c'est Stream Alert. Ça c'est. Voilà, ok, on va voir. Alors, c'est peut-être le lien qui est pété, je vais refaire le lien. Tac, copy link. Hop, propriété, machin. URL. J'espère que c'est ça. Ouais, enfin, si je peux le réparer tout de suite, c'est aussi bien, quoi. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, bah voilà. Eh ben, ça me fait chier. Bon, je verrai ça plus tard. C'est dommage parce que c'est vraiment le seul intérêt de ce live. C'est tous les petits machins. Toutes les petites capsules vidéo qui se lancent quand on utilise ces points de chaîne et que c'est vachement drôle. En plus, y en a certaines qui auraient fait plaisir à Val. Genre des extraits de Kaamelott parce que voilà, c'est pas du tout comme si on avait entendu ces extraits-là des milliers de fois et qu'on n'en pouvait plus. Mais non, c'est pas le seul intérêt du. J'aime bien aussi te voir rater. Oui, non, mais bien sûr. C'est ça, se moquer des gens, c'est quand même un des éléments centraux. Se moquer du streamer particulier. Attendez, parce que du coup, j'ai déplacé ça. Je vois plus ce que je fais.
Ben oui, parce que je réponds à Val. Parce que normalement, les gens avec les points de chaîne, ils peuvent acheter des petites séquences vidéo qui sont censées être en interaction avec ce qui se passe. Voilà. Et sauf que là, c'est cassé. Bah oui, faire une Marco, oui, ça existe. Limiche, il oublie le bug, Marco, il en met en plus. Voilà, par exemple, là, voilà. Une petite feature qui serait pas mal avec... Lightmatica, c'est de pouvoir modifier la couleur... La couleur du cross... Crosshair. Parce que des fois sur certains blocs ça se voit pas très bien. L'autre fois je posais de la roche et ça passait bien. Heureusement que je suis en week-end parce que sinon j'aurais manqué ton retour. En week-end, on est littéralement mardi. C'est le deuxième jour de la semaine. Et t'es déjà en week-end. Ils sont bizarres tes week-ends à toi. Au moins trois fois un bloc au mauvais endroit. Trois fois le même bloc, trois fois au mauvais endroit. Voilà. Bon, voilà. Bon, ah bah voilà. Voilà. Ah, pas loin là, pas loin. Bon, c'est la partie un peu chiante parce que c'est le sol. Et après, il y a la partie un peu moins chiante quand c'est pas le sol. Alors, il y a Raph qui est là, mais je pense pas qu'il va venir m'aider. Il a l'air un peu occupé à faire quelque chose de très répétitif. Genre récolter des ressources de manière intensive. Ah, tu travailles le week-end. Quelle idée, franchement. Pff, franchement, quelle idée. Moi, je déconseille, hein. C'est nul. Oh là 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 là! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors du coup, je sais même pas ce qui s'est passé parce que ça s'affiche pas dans le live. Je crois que c'est un follow, mais j'arrive pas à voir. Et vous pouvez... C'est un follow? J'ai même pas vu du coup. Parce que mon écran est tout petit, j'ai pas vu. C'est malin! Eh ben merci! Ah bah voilà! C'est Mew! Salut Mew! Merci pour le follow, c'est cool. Comment vas-tu? La team des looters de l'extrême en force. Alors malheureusement, il n'y aura rien à looter ici, hein. À part de la bonne humeur, mais c'est déjà pas mal. De la bonne humeur, genre. Ici, c'est la bonne humeur qui prime. Alors tu mets... Tu laisses au placard ta mauvaise humeur. Au vestiaire. Ça passe mieux qu'au vestiaire. Pour le loot. Alors, si je peux faire gagner. Je peux faire gagner. Cette carotte d'or. Voilà. Elle est à gagner. Mais il faut venir la chercher. Sur place. On va pas la laisser traîner hein, parce qu'une carotte d'or trop précieux. C'est une bonne idée sans deck. C'est utile une carotte. Elle est en or en plus. À croquer, c'est un peu bon. Ah bah j'en ai plus, c'est pour ça. On va aller chercher de quoi continuer. Titre. Titre. Qu'est-ce que c'est que je cherche? Je cherche du...
Du truc, du béton gris. Ah bah j'espère qu'il y en a que j'ai bientôt fini hein. Merci pour les bits. Elle marche ou pas la notif des bits? Merci Mickaël. Oh, tout est pété dans ce live, c'est n'importe quoi. Putain. Franchement, je pense que je vais rendre les 70 euros à Twitch hein, parce que c'est honteux. Hein. Il n'y a pas de caméra. Les points de chaîne, ça marche pas. Les trucs, ils ne marchent pas non plus. Elle fonctionne 10 sur 10, ok. On peut t'aider? À poser des blocs? Faut demander à Oran. Parce que j'ai pas le droit de donner les accès. Mais j'aimerais bien un coup de main, hein. Ça irait plus vite. On ferait tout en un live. On serait 50 à jouer. On ferait tout en un live. Est-ce que j'avais fait la commande pour si les gens ils demandent quelle est IP? Bah attends, bah y a plus qu'à tester. Il est con lui. IP. J'avais fait ou pas? J'ai pas fait. Oh, c'est dommage. L'objectif c'était qu'il y ait une commande à la con. Enfin, une IP à la con. L'IP du serveur est. Puis en fait, c'est les IP des DNS de Google. Trop marrant. Trop. Bah après, faudra quand même faire une jonction là, parce que. Je pense qu'il faudra que je désactive le beacon ou que je change le pouvoir. Parce que là, c'est Haste 2. C'est un peu relou quand on construit. Je verrai, je pense que je mettrai saut. Saut 2. Saut 7. Saut 6. Oui, le chat. Oui, le chat. Oui, miaou. Je sais pas si vous l'entendez, mais il gueule très fort. Viens. Bah viens. Mais oui. Mais viens. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des caresses? T'as pas l'air. Viens, regarde. Monte sur l'arbre à chat là. Viens là. Allez, grimpe. Viens. Bah voilà, mais fais tes griffes. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire ses griffes. Bien qu'au tête. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié que vous étiez là. J'ai une version Lamatica avec un add-on bien sympathique en plus. Je peux poser les blocs bien vite, même dans le vide, en mode print. Plus cheaté que le place mode. Ah ouais, quand même. Bah ouais, mais bon, nous, sur les diffs, on triche pas, quoi, tu comprends? Enfin, si, mais on triche seulement quand c'est pas trop visible. Il fait nuit. C'est le moment où ça commence à faire peur. Seulement quand personne. Exactement. Déjà, il y en a qui considéraient à une époque que Lightmatica c'était triché, hein. Et puis bon, c'est quand même vachement rentré dans les mœurs. Je me souviens de. Il va y avoir des monstres, ouais, il va y avoir des monstres partout. Je me souviens de Hypierre sur peut-être la saison 3 d'Olécube, je sais plus. Il avait fait un espèce de bâtiment moderne assez immense. Et il utilisait Lightmatica, mais du coup, a priori, il l'utilisait en print mode. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de cliquer, quoi, ça se place tout seul. Ça se voyait parce que dans ces timelapses, on voyait les blocs qui se posaient un peu n'importe où, n'importe comment. Et pas du tout de manière logique. Bah oui, c'est ça. Il va faire tout noir.
Il fait déjà pas mal tout noir là. Bon, attends que c'est pas plus que ça va. J'ai entendu un bruit. Putain. Je suis pas serein là. Ah, bordel. Aïe, mais ça va pas la tête! N'importe quoi, tu peux pas genre dire excusez-moi monsieur, je cherche une épicerie ouverte à cette heure-là, n'auriez-vous pas une adresse? Putain, mais n'importe quoi, l'autre. Ah bah merde. La speeder surprise. Est-ce qu'elle peut marcher au plafond, la speeder surprise? C'est même pas sûr, hein. Elles peuvent pas vraiment marcher au plafond. Ah oui, bah oui, bah dans Dizit, on en a plus. Et je sais pas ce qu'il y a qui est dans Dizit, mais... Il n'y en a plus nulle part. Vous avez fermé ça où, du coup? Bah, tu sais... L'autre fois, quand on est allé tuer le Warden avec Oran, enfin, c'était pas l'objectif, c'était pas tuer le Warden d'ailleurs, c'était juste ne pas rencontrer le Warden. En fait, eh ben on était nuls, hein. On était vraiment nuls à chier, hein. C'était assez marrant. Allez, on a presque fini le béton. Après, on passe la diorite. Et on commence les fondations de ce nouveau bâtiment au design absolument incroyable, réalisé par moi-même, selon une inspiration d'un bâtiment réel existant en Corée du Sud, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je retrouve. Ah, merci pour le jour. Ah, on fait moins les malins, hein. Ça pique, hein, la lumière, quand on oublie les grands totals. Je suis allé lancer un portail pour former le copper. La zone a été rechargée, du coup. C'est où, ça? Oh là là, qu'est-ce que tu sais pas viser, Marco? C'est incroyable. Et vas-y. Quand même que j'essaie de mettre la cam juste pour voir. On teste. Attention. Ok, ça fonctionne là. Coucou. Normalement, ça va pas fonctionner longtemps. Pour l'instant, ça va. Et oui, on me voit. Avec mes cheveux rasés et ma barbe de 3 semaines et demie, parce que je n'ai pas beaucoup de barbe, donc elle pousse très lentement. Donc 3 semaines et demie à peu près. Un visage point vu depuis des siècles. Et oui, des siècles. Ouais, bah je sais, c'était quand le dernier live, je sais plus. Faut que je regarde sur les rediffs sur YouTube. Mais c'était il y a longtemps, hein. C'était peut-être fin 2020. Salut Loulou. Merci de venir, c'est gentil. Ça fait très plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. A priori, c'est la première fois que tu viens. Même si je sais que tu es quelqu'un d'assidu sur les lives d'Oran. Je t'y ai déjà croisé. Hey Kalen! Non, mais vous êtes combien là? C'est incroyable. Au moins, il y a au moins 9 personnes. C'est ouf quand même. Sachant qu'il y a peut-être moi dans les 9. Non, mais c'est cool, je suis content. Ça fait plaisir. Tout le monde va bien?
Le Covid n'existait pas encore. En fait, il y a une période où j'ai fait pas mal de live pour la construction d'un autre bâtiment. C'était pour la construction de... merde, où? Ce bâtiment-là. Un palace. C'est Constant, je crois, le palace, si je dis pas de bêtises. Hein. Est-ce que je dis une bêtise? Corrigez-moi. 18 mai 2021, ta dernière vidéo YouTube. Ah ouais. Oui, t'as du lag. 18 mai 2021. Ah ouais. J'en ai fait tant que ça. Ah peut-être, je sais plus. Et c'était pour terminer le. C'était pour terminer le palace? Oui, c'était constant. Hein. Ah, il y avait le beffroi, c'est vrai. Ah, j'avais oublié le beffroi. C'est tout à fait juste. Mais bon, bah là, on est reparti pour une série de lives, puisque le temps que je le finisse, celui-là, là, avec les 32 000 blocs de béton, j'en ai déjà marre. Ah, c'était le début du build en créa. Donc c'était celui-là. Ça se peut, c'était celui-là. Donc en fait, les gens qui veulent se faire spoiler. Ah putain, c'est du. C'est pas ça, c'est quoi ça? C'est marqué où déjà? C'est dans des it. Alors. Béton gris. Payton gris. Andésite poli. Andésite mal poli. C'est où Andésite poli? C'est là. C'est là. Bon, je garde ça au cas où. Donc c'est de l'andésite là. D'accord. Alors je fais un bâtiment. Oui, c'est de l'andésite. Dans la zone Tokyo, donc c'est un gratte-ciel. Un bâtiment relativement grand qui doit faire dans les 200 blocs de haut. Type moderne, bâtiment genre bureau moderne. Je vous montrerai un peu plus tard à quoi il va ressembler. Là. Pour l'instant, en fait, je sais de tout. C'est un peu, voilà, teasing à fond et tout. Mais a priori, je pense que j'avais dû quand même déjà en parler. Enfin, en tout cas, il y a dû y avoir quelques. Comment dire? Voilà, j'avais dit quand même. Faut que je. C'est le bordel là. Il va falloir que je modifie le machin. Ah oui, il faut que j'aille voir. Bon, c'est pas grave. Y a pas de souci. Tac. Aïe. Tac. Donc on va mettre saut amélioré. Voilà. Donc maintenant je saute super haut. Youhou! Alors par contre. Salut Craft! T'as raté le début? Oh, t'as rien raté. Hein, tu fais... Comment vas-tu? Craft Rouen. Donc ouais bon on va voir. Là c'est vraiment la base, donc c'est absolument inintéressant et moche. En plus je me suis pas trop pris la tête sur les détails. Hein. J'ai essayé de faire un peu de déco, mais bon, voilà. Vraiment l'important de ce bâtiment, c'est l'aspect général, parce que voilà. Hein. Pas trop se prendre la tête avec les détails. Mais peut-être que je demanderai des coups de main pour la déco. J'ai commencé quand même un peu une déco intérieure. Il doit y avoir un étage qui est un petit peu décoré. Vous verrez.
le moment venu. Eh oui, Mickaël, tu te souviens. Non, mais de toute façon, c'est pas. Voilà, on en fout un peu. C'est pas. Y a pas mort d'homme de. Même vous pouvez dire, hein, si vous savez, hein, que je reproduis fidèlement Poudlard. En version gothique post-apocalyptique, couleur inversée, façon, comment on appelle ça déjà? Oh, je sais plus. Façon négative de pellicule d'argentique, voilà, ça que je voulais dire. Oh la vache, le saut que ça fait, c'est bizarre. Je rembourse. T'as encore utilisé tes points de chaîne? Non, mais c'est chiant. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans les lives, les petites capsules vidéo. Donc c'est vraiment chiant que ça marche pas. Je suis dégoûté. Mais j'aurais dû y penser avant. Je suis un peu. C'est un peu le live de la reprise. Il y en aura d'autres. Hein. Je pense que j'en ferai un autre demain. Comme Oran, il live pas demain, il est en vacances. Je lui ai dit que probablement je. Je prendrai son créneau. Enfin, je. Genre. En tout cas, j'en profiterai pour live. Parce que s'il avait live, j'aurais pas live. Pour pas lui voler la vedette. Je veux pas non plus le mettre en défaut, le pauvre. C'est pas évident pour lui, il débute. Il est pas, voilà, c'est normal, hein, faut laisser les jeunes se lancer, hein, faut pas leur pas trop leur faire d'ombre, je pense. Un château rose bonbon comme je fais Disney, mais version Harry Potter. Alors ouais, c'est ça. Ah, après le rose bonbon, c'est une version du rose qu'on retrouve plutôt dans la palette du gris et du blanc, mais c'est rose. Comme c'est version négative, tu vois, en fait, le rose apparaît gris clair. Mais c'est bien du rose, à la base. Bon, c'est conceptuel, hein, de toute façon. Hein, parce qu'en fait, normalement, pour voir le bâtiment, il faudra inverser les couleurs sur vos écrans, hein, et sur vos moniteurs. Et de préférence, utiliser un écran CRT. Voilà. En 256 couleurs. Sinon, ça marche pas bien, le rendu n'est pas correct. Donc, je vous invite à ressortir vos vieux CRT. Ou éventuellement à passer sur Game Boy Advance, jusqu'à Game Boy Advance, ça passe. Là, vous aurez vraiment un rendu fidèle de ce que je souhaitais faire. Ta caméra a des bugs. Oui. Alors, je l'ai passé en 720p. Et en plus, j'ai diminué. Le framerate, parce que j'essayais de corriger le fait qu'elle se fiche parfois. Le fait est que là, elle ne se fiche pas, donc je me dis, c'est peut-être pas plus mal ce que j'ai fait finalement. Donc je vais pas, on va voir, je vais rester comme ça pour l'instant. Nous sommes 12, incroyable. Mais j'ai des bugs d'affichage, mais oui, c'est vrai qu'il a pu, voilà, elle fait un peu n'importe quoi. Ouais, bah, voilà. On va faire avec les moyens du bord, hein. Tac. Allez, j'ai presque fini de poser l'andésite. J'espère que j'en aurai assez. Normalement, oui. Mais l'andésite, c'est devenu la denrée rare. C'est incroyable. Genre, jamais j'aurais pensé que. Ce serait le truc qu'on galérerait à obtenir. Qu'on galérerait à obtenir, mais c'est l'andésite, c'est devenu rare. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je pense qu'on en a beaucoup utilisé, qu'on n'en a pas tant récolté que ça. Donc maintenant, le mot d'ordre, c'est on ne farme
l'andésite que pour l'utiliser sous forme d'andésite. Et ses variantes simples, c'est-à-dire escalier, dalle d'andésite. Et tout ce qui est andésite poli, on le récolte chez les villageois qui en vendent. Donc ça doit être les maçons, je crois, un truc comme ça. Tout est normal sur le live. Sur mon live. Si ça bug, c'est que c'est normal. C'est que ça marche comme ça doit. Je vais aller risquer ma vie. T'es ouf, fais pas ça. Ça vaut pas la peine. Merci pour la nuit, ça doit être raf. Hop. Oh là, bah j'en fous partout. J'en fous partout. Titre. Je pense qu'il va falloir que je fasse une commande titre. Hein. Pas trop le choix là. Attendez, je regarde, j'ai un petit message. Mais sinon, ça ne me concernait pas. Ah si, peut-être là. C'est à quoi que tu joues, Mew? Je vois pas trop. On dirait genre métro ou un truc comme ça. Non, c'est pas métro. Comment ça s'appelle? Fallout. Ah oui, voilà. Je connais pas trop. Enfin, je connais Fallout, mais j'y ai pas joué. Tu as des mods sur Fallout? Ou tu le joues purement vanilla pour le moment? Il me semble qu'il y a beaucoup de mods hein, sur Fallout de disponibles. Juste le PNO. D'accord, le PNO. Le Personal Non-Trivialous Obfuscation. Je crois que c'est ça. T'as un serveur Discord, Marco? Bah non. Discord de diff. Le serveur de diff. Après, j'en ai créé plein des Discord en fonction des groupes de gens concernés. J'en ai créé un pour... pour ma team de jeux de rôle, il y en a un pour la team des looters de l'extrême, les looters avec un Z comme on les nomme. Il y en a un, il y a celui des, bah il y a celui des DIA évidemment. Discord et il y a celui de Born to Mine qui est comme qui dirait un petit peu à l'abandon, mais ça c'est pas grave, c'est un peu le risque, comment dire, c'est le destin de tout serveur Discord à un moment ou à un autre, disparaître, être totalement abandonné. Planning, il n'y a pas de planning. Voilà. Avant, j'essayais de faire le mardi. Peut-être que je garderai ça. Salut, Krasink. Yes. Encre folle. On est d'accord. C'est ça, Crazy Ink. Encre folle. Bienvenue. Merci, merci de venir faire un tour, de dire bonjour. C'est très gentil. J'en suis ravi. Et la caméra, elle fonctionne toujours. Mais c'est incroyable, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non. On va dire ça. Allez, on a presque fini la base. On va pouvoir commencer les... Oh putain. Oh putain. J'ai plus de machin. On va pouvoir commencer bientôt à monter les murs. Ça va être un peu plus marrant. J'espère qu'il m'en reste dans des hits. Ah oui. Ouf. Je pense que ce qui va me rester dans des hits, je vais le revendre au marché noir. Genre 6 fois son prix.
Je suis sûr que les gens vont me l'acheter. Tellement ils sont en perdition dans des itres. Je vais l'échanger contre de la diorite. Ah non, c'est nul. Et voilà. Actuellement, je réalise des pixel art. Ah bah dis donc. C'est vachement à jour ça. C'est vrai que j'avais eu période des pixel art. C'était trop bien, on faisait des tags et tout. Ouais, c'est plus à jour du tout. Cette fois, ça, ouais, bah, il va falloir que je m'occupe de tout ça. C'est bien ce petit live qui permet de se rendre compte de tout ce qui n'est pas à jour. C'est pratique. En soi, c'est pas plus mal. Oh là là, je vais me faire des blocs en or avec toutes ces andésites que je vais pouvoir revendre. Une fortune. Ok. Et là, j'ai de l'andésite poli, mais c'est moins, ça a moins de valeur. Allez. Donc. Sachant les discussions sur Discord. Eh oui. C'est quoi ton pseudonyme sur Discord, sur le Discord des. Parce que je pense que tu viens de la team Looters. Forcément, moi je reconnais pas. Hein. Faudra faire sur les bâtiments de la zone Tokyo. De quoi? Vendre. Vendre du. De l'andésite? Alors voilà le début de la construction. Donc là, il va me falloir du béton, du verre, des blocs de verre, des vitres de verre. C'est du verre noir? Oui. Black stained glass panel. Ok, allez, c'est parti. Le centre, je le ferai après. On va surtout s'intéresser au tour là. Les tags. Oui, alors c'est vrai. Je sais pas si j'en mettrai dans la zone Tokyo, honnêtement, je sais pas. Parce que je suis pas sûr que ça s'y prête. Je sais pas. Après, pourquoi pas, en fait, on s'en fout un peu. Mais je sais pas, dans un premier temps. Et puis si je fais des tags dans la zone Tokyo, faut que je fasse des tags en japonais. Du vert noir. J'ai compris la blague. Ça va, Makiu? Comment vas-tu? Ça faisait longtemps que je t'avais pas croisé. Ça fait plaisir que tu passes faire un petit coucou. Et la caméra marche toujours! Oh là là. Alors là, le verre noir est où? Le verre noir. Le verre noir ici. Et je crois que c'est tout. Donc je vais reprendre juste du béton. Parce que le béton, j'en ai besoin de beaucoup. Et pourquoi j'ai ça dans les poches là? N'importe quoi. N'importe quoi, franchement. N'importe quoi. Et hop, pardon. Bon, ça, je peux le monter assez haut. On pourrait. Voilà, pour l'instant, on va monter couche par couche et puis on verra après. Peut-être que je ferai autrement. Parce que couche par couche, ça peut être un peu relou, hein. Tac. Oui, bon, bah, c'est pas grave, on va le laisser là, lui. C'est des blocs en plus, mais de toute façon. De toute façon, il y aura des blocs là, donc c'est pas grave. T'as les cheveux courts? Bah oui, j'ai rasé ma tête, oui. Parce que c'est pour cacher mes cheveux blancs. Moi, j'ai quasiment plus mes cheveux bruns. Ils sont quasiment tout blancs. Gris, quoi. Pas blanc, mais gris. Je suis vieux. Donc, voilà. C'est triste. Alors ça, par contre, ça va pas être là, je pense. Donc, lui va virer. Ah bah voilà, bien joué. C'est vachement là qu'il fallait le mettre. Innove comme Bernard, voilà, c'est ça, comme Georges Clooney, ouais,
Guy Georges Clooney. C'est une version What else de Guy Georges. C'est Guy Georges qui dit What else avec une tasse de café dans la main. Je ne sais pas où va cette blague. Je vous laisse lui trouver une orientation correcte qui ne soit pas trop gênante. Je vais laisser parce que de toute façon, voilà. Et voilà, on a fini pour ce soir. Non, il en reste là-bas. Ah oui, non, je l'ai dit que je ne les avais pas. Il reste les poteaux. Bah, ça va et toi? Hein, boulot, métro, dodo. Ou Émile Louis XVI. C'est Émile Louis à Versailles. C'est une version très. Comment dire? Il faudra que je les monte à un moment ces poteaux-là parce que ça va être chiant de remonter dessus à chaque fois. Donc il y a un moment où je ferai les poteaux en entier. Et ben, je l'ai peut-être, je les ferai plus tard. Je vais m'intéresser aux murs. Et une fois que j'aurai monté les murs assez haut, je ferai juste les poteaux. Comme ça sera plus simple. Sinon ça va être relou. C'est mon métier qui me fait m'arracher. Je peux. Ouais, ça pourrait, hein, franchement, hein, des fois. Pff, pour gérer des fois des trucs relous. Ça pourrait. Louper. Louper. Ah, allez. Ah, mais si. Mais. Alors là, si finalement le saut, c'est un peu chiant. Ah. Bon, bah, je vais me coucher. Hein. Excuse-moi, Jean-Paul, mais. C'est pas que je t'aime pas. Je te trouve un tout petit peu. Du genre exagéré. Voilà. T'as l'impression qu'on t'aime pas, mais c'est juste que bon, tu t'annonces même pas. Sans la camionnette. Avec des bonbons dans les poches. Les Smarties. Mon Dieu. Ce live a définitivement viré sur un sujet totalement creepy. Que je n'assume pas vraiment. C'est pas grave. Alors là, ça va être la partie un petit peu plus complexe de la zone. Alors, il y aura plein de moments chiants, je pense, comme ça. Au niveau posage de blocs. Là, par exemple, je suis trompé. Je pense que je passerai en all above plutôt qu'en layer pour bien voir les blocs qui sont mal posés. Parce qu'il va y en avoir. Il va y avoir des blocs mal posés. Ça va être. Ah bah c'est du bleu! Bah voilà! C'est ça qui me manque, du bleu. Celui qui est mal posé, ça va être celui-là. Je pense. Ah, pas sûr. Ah si, c'est ça. Hop! Alors, on a dit des vitres bleues. Vos sujets de conversation me font extrêmement peur. Je ne suis pas sûr d'être capable de gérer ce genre de choses. Vitre bleue. Du coup, vitre noire, ça se peut. Si j'en aurai besoin d'un peu, mais pas beaucoup. Je vais en enlever un peu. Je vais prendre plutôt des vitres bleues. Oh, un petit peu quand même, faut pas exagérer. Voilà. Ouais, on va faire comme ça. Vitre bleue, j'en reprends. Il y a un peu plus, je mets tout. Un petit peu d'XP, on crache jamais sur l'XP. Hein. Sachez que ici, on crache jamais sur l'XP. Ça se fait pas. Alors, j'ai pas encore l'enchantement qui permet d'avancer vite en sneaky. Ce qui est quand même, ce qui est vachement pratique en fait en construction. J'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais je pense que ça va être pratique. Parce que là, je me traîne. Et la caméra fonctionne toujours. Je veux dire que je suis bluffé par la qualité de réalisation du truc.
Ouais, fichier, tiens, hop. Voilà, et super. Allez, hop. Mais non, mais c'est bon là. Oh là là. Mais non! Ah bah voilà. J'arriverai à pouvoir se moquer de moi. Le petit se met debout, c'est le début de la galère. Oh là là, c'est trop bien. C'est trop bien, mais effectivement, c'est beaucoup de sueur. Sueur froide. Oh non, il a ouvert le placard où on met les assiettes. Vite. Pourquoi il y a un truc comme ça là? Ah oui, parce que j'avais dit, c'est pas grave, je le laisse. Et en fait, c'est pas ça qu'il fallait. Et en fait, c'est pas ça qu'il fallait. Vachement bien, bravo. Et ça se peut, je vais devoir enlever les filtres que j'ai mis en plus. Oui, le chat. Tac. N'importe quoi. N'importe quoi. Hop. Allez, c'est parti. Ah, c'est. Ah ouais, il va falloir que je trouve le bon move. Là, ça a l'air pas mal. Le move a l'air correct. Non! J'ai mis une en trop. Non, j'ai mis une deuxième en trop. Allez, on va les virer tout de suite. Et celle-là. Ok. Allez, couche supplémentaire. Mais non! Putain. Quand je vous disais qu'il faut passer en haut le bove, c'est pas pour rien. Hein. Parce que des blocs mal placés, il va y en avoir. Après, quand je serai un peu plus haut, un peu plus haut perché, peut-être que ce sera moins chiant. On voit pas très bien les. Oui. Décidément. Alors, attendez. C'est ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est comme ça? C'est vraiment bizarre ce bâtiment. Je sais pas qui a réalisé ça, mais c'est de la merde. Je suis mort de rire sur mon canapé. Ah bah bravo. C'est vrai ça. Allez, saute. Allez, saute, Jean-Paul. Ah bah j'ai pas le bon. J'ai pas le bon effet là. Allez, prends le saut. Voilà, merci. Ok, c'est bon. Ah putain, il faut des murs. Des murets dans des ites. J'en peux plus, putain. C'est pas vrai, ça va. Ça me parlait pas de blague. Bah, perché, oui, c'est sûr, hein. Des fois, la vie te rappelle que tu es peu de choses. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Ça n'a aucun sens. Allez, vas-y. Ouais, bien joué. Allez, on va poser des murets dans des ites. Tac. J'ai pas mis la deuxième cam. Des fois, je mets la deuxième caméra pour qu'on voit comment ça évolue. Là, il va y avoir beaucoup beaucoup de murets dans des ites, beaucoup 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 de béton, beaucoup de verre aussi. Donc là, c'est ça, c'est ce que j'ai tout à l'heure, je l'ai laissé, mais finalement, c'est pas ça qu'il fallait. Allez, voilà. Hop. Hop. Tac, ça aussi, ça n'a rien à faire là. Finalement, j'aurais dû tilter, je me souvenais plus de ce que c'était. J'en ai fait plusieurs là quand même. Il y en a quand même quelques-uns. Allez, vas-y, saute. Saute, tu peux le faire. Oh là là, pff,
je fais n'importe quoi. Et puis en plus, il veut pas les attraper, ça c'est trop chiant. Merci. Ça ténace. Incroyable. Les vannes de Macchioso, c'est le petit Jésus en culotte de velours, tellement c'est du plaisir. Moi, j'adore. Moi, je pense que il devrait avoir un prix Nobel pour son humour. Le prix Nobel de la paix. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Je vais éviter de laisser des blocs parce qu'en fait, visiblement, c'est rarement une bonne idée. Je vise au centre. Bah, n'importe quoi, là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas tout ce qui était prévu. Franchement, n'importe quoi. Oh là là là. Ah, mais d'accord. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Allez, c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Allez, il faut trouver le bon move. Hé hé! Deux hommes musculeux, bien huilés, qui se prennent dans les bras pour se faire un câlin. Ça, c'est le gif. Et merci Macchio et merci Gribi pour le live. Pour le... Oh là là. Pour le raid. Et merci Macchio pour l'abonnement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bienvenue Gribi, bienvenue à tes viewers. C'est très gentil de venir nous voir. Ça me fait très plaisir. Je vous fais des bisous. Et ma caméra est figée. Et merci pour l'abonnement, Krezink, pour le follow. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et Mickaël qui offre un abonnement. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. J'en perds mes mots. Vous savez quoi? Ça, c'est pour Gribi. Merci beaucoup, Mickaël. Tu es adorable. Tu mérites que je réactive la caméra qui devrait fonctionner parce que c'est pour toi que je le fais. Merci beaucoup. Ça va? Ça va Gribi, ça s'est bien passé. J'ai vu que tu étais en live dev développement et si je dis pas de bêtises, il y avait une souris. J'ai vu une petite souris à un moment. Alors c'est pas ça que je voulais mettre. Voilà. Hop. Hop. Mais non, écoute, j'ai cliqué sur le bouton. Tu exagères. Salut Gribi, comment ça va? Ben ouais, nickel. Tu vois, j'ai commencé, ça y est. Le projet est lancé. Ouais. Le projet est sérieusement lancé. Ouais, ça va être long. Hein. Ça va être... je pense que je vais m'y arracher les cheveux, mais c'est pas grave. Non, ça devrait aller en vrai. Normalement, ça devrait aller. C'est juste que ça change... ça change de ce que j'ai déjà fait, donc... Mais ça va être cool, je pense. Le quoi? Ah, on n'a plus le droit de faire ça? Ah, mais oui, il y a des raccourcis, il y a des... en fonction de ce que les gens veulent voir. Je fais n'importe quoi. Vraiment. Voilà. Je suis vraiment désolé. Je sais pas quoi dire, je suis confus. T'as bien fait parce que je me souvenais pas du tout de tout ça en plus. Maintenant que tu me le dis en plus, je me dis bah oui, c'est évident, je le savais, mais j'avais complètement zappé. Oh là là.
Ouais, ça devait spammer pas mal en fait, je pense. Et puis ça pouvait être assez agaçant, ouais. Et Gère est là. Coucou Gère. Du coup. Ouais, c'est ça. C'était fait exprès en fait. Je fais genre, oh mince, je me suis trompé. En fait, c'était purement fomenté depuis le début. Oh là là, il y a un creeper. Bon, je pense que. Coucou Gère, coucou Macu. Il y a plein de monde, c'est incroyable. Ah! Des creepers. Excusez-moi, j'ai crié. J'avais pas vu qu'il y avait des creepers. Qu'elle plaît ces trucs. Encore les araignées, bon. Les araignées, ça se maîtrise, mais les creepers, c'est pas cool. Bon. Je suis agréablement surpris parce qu'il y a quand même du monde, c'est cool. On est presque une quinzaine. C'est vachement sympa. Est-ce que je vais réussir à sauter là? Non, je ne peux pas. Je vais devoir m'envoler ou mettre des échafaudages. Ah, bah c'est cool. Oui, sauf que ça marche pas. J'ai dû casser le, ouais, j'ai dû casser le truc et du coup ça marche pas. Donc il va falloir que je rép. Oh non! Ma caméra a bugué, tout a bugué là. Tu m'entends, Gribi? Ok. Non, c'est juste la caméra, je pense. Ah ouais? D'accord, ok. A priori, tout va bien. Bon, j'ai tout pété. Mais non, monsieur le creeper. Ouais, bon, si c'est que un peu, ça va. Allez, encore un peu de béton gris. Mince, j'en avais là. Ah oui. Ah, je l'ai désinstallé parce que j'avais plus de place et que j'avais pas le temps d'y jouer en ce moment. Bah oui, finalement, ouais, il était bienvenu. Hop, la caméra est à nouveau figée. Bon, je vais le faire une dernière fois, mais c'est vraiment très très chiant. Donc voilà. Ah là, elle ne marche pas plus du tout là. Voilà, là elle ne marche plus du tout. Là, elle est plus là. En fait, elle a le port USB a dû bugger, je pense. Ouais. C'est ça. Je suis vraiment devenu sous verre. Ouais, bah oui, tu vois, là, c'est complètement désactivé. Quelle tristesse. Tu te coupes les cheveux en quatre, exactement. Plus de deux gens dans la cam. Ni de Jean-Marc, ni de quoi que ce soit. Ok. Allez, c'est bon. Merci le Creeper, c'était cool. Ton intervention était vraiment appréciable. On a trouvé ce moment-là intense et en même temps surprenant. On était dans un effet de surprise. C'est vrai qu'on s'y attendait pas. Donc merci Creeper. Voilà. Je voudrais remercier.
Ouais, c'est ça, c'est par solidarité pour ma couleur verte. Est-ce que je vais avoir des échafaudages, moi, par là? Je pense pas. Ok. Quelle idée. Quelle idée d'avoir un travail. Ouais. Et Dieu sait que c'est important le sommeil. D'ailleurs, quand tu te mets dans l'endroit creusé par le creeper, tu peux y apercevoir Marc Gribby. Quoi? Oui. Mais... Ouais. À la subtilité tellement subtile qu'elle en est insaisissable. On va rien dire, on va rien dire. On va faire genre, on n'a pas compris. Eh ben, tu t'entendras bien avec mes collègues, qui sont vraiment très fans de blagues absolument horribles. Suis désolé, mais moi je connais plein de Suisses qui sont drôles. Donc voilà, les Suisses sont drôles. Ouais. Ok. Avez un conseiller fédéral en santé? Ah oui, je me suis. Ça me dit quelque chose, ouais. Je pense que ça n'a pas été repris par dans une chronique par ce fameux monsieur qui fait des chroniques sur la Suisse, qui fait. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, voilà, tu l'as sûrement. Voilà, c'est ça. Il est très marrant, lui. J'aime bien ce qu'il fait. Ah oui, dans tes lives. Ah, c'est cool. Et je me souviens avoir vu ça, effectivement. Ok. Il a fait une chanson sur la crise. Ça tombait bien, Marc. Ok, je vois. Je me demandais d'où ça venait. Enfin, j'avais bien compris la crise du quartz. Je savais pas que ça venait aussi de ça. Alors, évidemment, j'ai beaucoup de mal à suivre le chat, donc veuillez m'en excuser. J'ai vu que Sylvain nous quittait, donc à plus, The Mew, aka Sylvain, aka Sly, aka le Looters. David Costello Lopez, oui, c'est ça. Les horlogers devaient être montés. Il est fort quand même, Macchiuso.
Il m'impressionne des fois, il arrive à trouver des jeux de mots, c'est. Mais c'est une mécanique de l'esprit, ça. Des ouf. Ah ouais. Je pense aussi. En santé mentale, justement, quand on parle des patients. Ça dépend des blagues. Mais quand on parle des patients, on dit. Le fait que les gens aient accès à l'humour, ça peut être un signe que ça va. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas accès à l'humour, c'est quelqu'un qui est, par exemple, les personnes qui sont psychotiques et puis qui sont en période délirante, ils ont beaucoup plus difficilement accès à l'humour parce que ils sont très interprétatifs de tout ce que tu vas dire et donc forcément. Ils vont pas saisir l'humour, ils vont saisir le premier degré, voire interpréter dire, les choses différemment de ce que tu voulais dire, quoi. Salut Thomas! Ça faisait super longtemps, bah oui, ça faisait. On a calculé 7500 jours, je crois. C'est à l'époque, c'était Chirac le président. Donc ça fait vraiment hyper longtemps, quoi. C'est impressionnant. Couche suivante. Allez, c'est parti pour la couche suivante. Non, ouais, je dis un truc complètement con, mais. C'était il y a 7500 jours, ça fait un peu moins de 20 ans. Oh, c'était peut-être Chirac, hein. Eh ben ça se peut, j'ai pas dit tant de conneries que ça, c'est incroyable. Chirac premier mandat d'après Baptiste. Ça dépend sur quelle planète on se trouve. Ah, j'ai plus de muret. Je ne sais pas. Je sais qu'on a moins. On a des 200, 250, 260 jours, je crois. Mars est un petit peu en dessous de la Terre. Non, c'est la durée du jour qui est un petit peu en dessous. Je sais plus. J'avoue que là. En Suisse. Est-ce que la vie sociale n'est pas juste qu'interprétation et perception? Qui sont plus ou moins influencés par notre humeur. Matière à réfléchir. Ma réponse est, c'est possible. Mince. C'est pas grave parce que ici c'est la norme. Raconter n'importe quoi, c'est la norme. Ouais. C'est tout le monde raconte n'importe quoi. Donc si tu étais sérieux, on trouverait ça bizarre. Sérieuse. On dirait, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Il peut le faire, mesdames et messieurs. Elle peut le faire. Est-ce que tu peux raconter, est-ce que tu peux être sérieuse juste un instant pour voir ce que ça fait? Parce qu'on ne sait plus trop.
C'est ça, on manque de sujets sérieux, c'est ça notre problème. C'est pas qu'on veut pas. Exactement, c'est ça finalement le sérieux de la situation, c'est notre incapacité à trouver des sujets à aborder de manière sérieuse. Au revoir le zombie. Waouh. Exponentielle 2. Racine carrée de 8. Fois racine carrée. Des feuilles de la jungle, d'accord. C'est une manière de dire le mot cannabis sans dire le mot cannabis? Je voulais être sûr. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est bizarre. C'est normal, ça. Ok. Passer en all above. All above, c'est tout au-dessus ou c'est... J'ai un doute. Ouais. C'est au-dessus. All below. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Pour repérer les blocs qui n'ont rien à faire là. Voilà. Bon, cela c'était facile. Ok. Tiens, on va monter ce poteau là comme ça. Pas très bien. Voilà. Non, bah tant pis. Non, je vais l'enlever parce que ça va être n'importe quoi. C'est pas ça que je veux. Voilà, c'est bon. C'est un terrain glissant. Serait la Midland Farmeuse. Le Midland Farmer. Ouais. Moi, je valide cette blague. Après, je pense qu'on peut l'améliorer. Potentiel. Dans le fond, nous nous sentons tous en décalage par rapport aux autres, partant du postulat fondé qu'il doit en être de même pour les autres. Nous sommes soit tous en décalage les uns par rapport aux autres, soit tous plutôt unis. Cela dépend juste de notre perception négative ou positive. Ouais, c'est. Oui. Je pense saisir ce que tu veux dire et je suis assez d'accord. On pourrait juste soit se sentir différent des autres, soit se sentir. Unique au même titre que tous les autres dans un ensemble de personnalités à chacun. J'ai essayé de reformuler ce que tu disais, je suis pas sûr d'avoir réussi.
C'est pas faux, comme dire l'autre. Je sens que tu m'as perdu. C'est valide. La blague est valide. Alors attends. Attendez! Ne bougez pas! Ah, ne bougez pas, hein! Merde, j'ai pas lancé le truc qu'il faut lancer avant ça. Surtout restez bien immobile. Ne bougez pas. Tous autant que vous êtes. Merde, qu'est-ce que c'est déjà? Modifier. Portel. Ah, voilà. C'est là? Est-ce que c'est là? Je crois que j'ai supprimé les trucs. Merde. Je sais plus. Ah, non, c'est bon. Ah, ne bougez pas, hein. Vous êtes prêts? Ah, voilà, c'est ça. Tu n'es vraiment pas très sympa. Ah, c'est pour Mais ça. le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Bon, c'était pas celui-là que je voulais mettre. J'ai complètement raté. Merde. Bon, bah, tant pis. Ah, oh, putain, c'est pas possible. Donc il y a des notifications pour les diffs, des notifications pour les lives Holicube d'Oran. Et après il y a autre, je crois. C'est ça? Ah oui. Donc ça sert à rien. À moins qu'il y ait une nouvelle saison plus tard. Mais... Attendez, je reteste un truc. Bon, bah, ça marche pas. Ah, ça marche. Par contre, il s'est coupé un peu de manière brutale, c'est bizarre. Alors, attendez, je refais celui-là. La blague est valide. Ah, voilà, c'est bon. David Goodenough. J'aime bien ce mème. De Sébastien Pracia. Ok. C'est un live piscine. Bonne idée. La piscine. Ouais. Saillant. Saillant, je sais pas. En général, le vert, c'est quand même mauvais signe. Hein. Si t'as la peau un peu verte, c'est qu'il y a un problème. J'ai plus de vert d'ailleurs. Je vais en profiter pour aller dormir. Je vends mon esprit, pas mon corps. Ou par mon corps. Parmesan. Alors, par mesure. Vert noir. Vert noir. Ok, muret. Je vais reprendre un peu de muret. Parce que c'est bon pour la santé. Et je vais reprendre un peu de ça. Allez, c'est bon. Et je m'élève dans le ciel avant de retomber. De manière un peu brutale.
Ça valait le coup. Vraiment, ça valait le coup. Ah, ça fait plaisir. Oups. Oups. Mais vraiment, j'ai trop de mal, hein. Putain, mais c'est impossible. Est-ce que tu sais jouer, Marc? Sais pas. J'avoue que ouais, c'est ça. C'est que le jeu n'existait pas quand j'ai commencé le live, donc quand j'ai commencé à faire les lives. C'est tout nouveau pour moi. Putain. Alors du coup j'arrive pas à suivre. Hey Constant qui est là, j'avais pas vu. Bonsoir Constant. On a parlé de toi tout à l'heure. De toi, du toit de ton bâtiment même. Enfin, pas que du toit d'ailleurs, on a parlé du bâtiment dans son entier. Ah ouais, tu sais le palace qui est juste en face du complexe hôtelier de Corfandar dans la zone européenne. Bah, il me semble, ouais. Est-ce que je dis une bêtise, Constant? Il y a quelqu'un qui me l'avait confirmé. Mais je crois bien, je me souviens, j'ai le souvenir que c'est toi. Alors, je devrais m'en souvenir, hein, vu que j'ai passé à peu près 7500 heures dessus. Ou alors, je suis constant dans ma manière de dire des conneries. On peut dire ça aussi. C'est vrai. Très drôle, je pense qu'on doit jamais lui faire la blague en plus. Oui, c'est ça. C'est un live à concept. Hein, allez. Ah bah non, mais j'assume, hein, tant pis. Hein. J'assume entièrement la responsabilité de cet échec en me retirant définitivement de la politique. Ça fait référence à Lionel Jospin, qui a dit ça quand il s'est présenté au présidentiel face à Chirac. Il a perdu et il a dit, je me retire définitivement de la politique. Et a priori, il s'en est un peu. Enfin, bon, ça a été moqué par les guignols à l'époque, qui le présentaient comme s'en voulant d'avoir dit définitivement. Et après, t'as une autre personne qui avait dit provisoirement, puis après, tu voyais dire: Mais oui, c'est ça qu'il fallait que je dise! Provisoirement, mais quel con! C'était très drôle. Puis après, il le faisait. Des sketchs où du coup il était à l'île de Ré, tu vois, il se faisait chier à l'île de Ré. Après avoir arrêté la politique, du coup il était dégoûté un peu. Mais il voulait pas l'avouer forcément. Trop d'ego. C'était assez drôle. C'était une bonne époque des guignols. Je suis un Shakirikivaria. C'est un jeu de mots avec Charivari. Ouais, j'arrive. Je suis même pas sûr. Ouais. Bah c'était plus marrant. Je sais pas si c'était plus, si c'était rassurant du point de vue politique. Ça devait être pas mal de la merde, mais on rigolait. Je trouve qu'on rigolait davantage. Tu vois, Chirac, il était sympa, il était marrant. Ouais. Ouais.
C'est vraiment le mec sympa, quoi. Là, on avait moins ce côté, même si c'était en réalité, c'était déjà le cas, mais on avait moins ce côté, les hommes politiques sont une classe élite, à côté de ça, nous, on est le petit peuple, on est des grosses merdes, quoi. Alors que là, c'est vraiment ce qui nous, là, on a vraiment l'impression que c'est ce qui nous est jeté au visage chaque jour. C'est assez désagréable. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, moi, perso. Mais on va pas parler politique, on n'est pas là pour ça, d'accord? Même si tout est politique, même quand vous achetez votre gel douche, c'est un geste politique. Est-ce que vous l'avez acheté à Leclerc ou à Intermarché? Est-ce que vous avez pris le bio ou celui en flacon souple pour pouvoir remplir votre grand flacon? Voilà, tout ça, c'est politique. Ben, c'est un geste politique. Fort. Je dirais, un geste fort. C'est vraiment pour l'ego, en fait. C'est pour te dire, bon, j'ai fait un truc bien. Ouais. Putain, ouais. Bah, si on les compare à tout ce qui manque de la part des plus gros pollueurs, oui, c'est vrai que c'est vraiment futile. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. Ah, voilà. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Ouais, je l'enlèverai après. Mais effectivement, c'est pour ça que j'ai mis en all below. Comme ça me permet de voir les blocs, même quand je change de couche. Que du coup, je corrige immédiatement. Et quoi? Putain, ouais. Vraiment, vous me perdez totalement du point de vue des blagues. Les sangliers dans les golfs sont devenus des mèmes. Parce qu'ils viennent manger les glands, c'est ça? Ah, oui, effectivement. Ça, c'est intéressant. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, avoir un visu? Merci. Tac. Allez, je continue la pose de ces blocs. Bon, j'espère que ça se passe bien pour vous. J'arrive pas à lire le chat, vraiment j'ai trop de mal. J'essaie de me concentrer sur le posage de blocs, parce que déjà que je fais n'importe quoi de manière assez régulière. Ah, c'est un métier, ma pauvre, ma bonne dame. Hein. Streamer, hein, c'est pas, ça s'improvise pas. Hein. Le gars, il arrive en mode, oh ouais, moi c'est bon, je vais faire streamer, hein, je connais, c'est bon. Mais ah, gros malin. Pas si simple que ça. Hein. Ça demande des qualités, des compétences. Et c'est pas donné à tout le monde, hein. Oui, je crois, ouais. Peut-être un petit peu plus. Tu vas pas être en forme demain. C'est toujours ça de pris. Ça va, je suis pas du matin demain. Je commence à 13h45. Ça, c'est quand même pas cool, je trouve. T'as
T'as pas moyen de travailler de chez toi? Ah, quand même. Bah, j'apprécie quand même, moi, de bien dormir. De bien me reposer. Je trouve ça... Ouais. Ok. Eh ben, je vais quand même te remercier d'être passé nous voir, c'était cool. Ouais. Bonne nuit, Gribi. Tac. Je me couche. Je me... Ah bah d'accord. C'est honteux. C'était fait exprès. Salut. Salut, Gère, ça va? T'as vu ça, hein? C'est incroyable! Ouais, puis elle nous a lâchés là, complètement. Je suis assez dégoûté, mais bon. Non, c'est la caméra qui est merdique. C'est une excellente idée. C'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. De devenir extrêmement riche et de me payer des centaines de webcams en 4K pour filmer chaque recoin de chaque recoin de ma maison. Non mais ouais. Ouais, j'ai déjà testé et ça marche pas trop mal. Donc ça peut dépanner. Je pense que je ferais peut-être ça en attendant que je change de webcam parce que c'est vraiment c'est chiam en fait. C'est bien quand même d'avoir la cam. C'est marrant parce que à une époque quand j'avais commencé à faire des lives, je me voyais pas forcément mettre ma tête parce que je me disais non vas-y c'est bon moi je fais pas ça, j'ai pas envie qu'on me voit, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Et en fait maintenant je trouve ça cool et je quand il y a pas je me dis mince c'est chiant. Ouais, y a un peu de ça. Ouais, c'est ça. Et puis il y a pas mal de jeux quand même où les gens ils ont envie de voir ta réaction. C'est marrant aussi. Et puis je sais pas, ça donne l'impression d'être un peu plus présent, quoi. Là, quand y a pas la caméra, t'es pas vraiment là. Est-ce que je suis vraiment là, tu vois? Est-ce que c'est pas une imitation de moi? Une mauvaise imitation? Surtout que je lis pas le chat, du coup. Ouais, tout à fait. Mais il y en a d'autres qui utilisent. Parce que Droidcam, il utilise un logiciel qui est connecté à Windows et qui fait le lien avec l'application sur le téléphone. Et sinon, tu as d'autres services où il y a un lien
IP qui est créé, hein, une IP qui est créée pour diffuser ta caméra et tu récupères juste l'IP. Une IP provisoire, évidemment, quand tu arrêtes, ça, l'IP n'existe plus. Je crois que ça marche pas mal aussi. Mais ça... Et il y a Val qui follow, oh là là, merci Val. C'est le follow qui fait plaisir. Bisous Val. C'est très gentil. Tu es la 105e. 105 quand même, c'est beau. C'est quoi? C'est une mobylette. Une Peugeot 105. Ah oui, la 103, 103 SP. C'était... Ouais. Petite Peugeot 103, là. Tiens, un pote qui... alors, j'ai actuellement 41, presque 41 ans. Je suis plus infirmier à domicile, j'ai changé de travail. Maintenant, je travaille en psychiatrie. Ouais, c'est le premier métier que j'ai exercé, enfin le premier poste que j'ai exercé en tant qu'infirmier, c'était ça. Donc je suis retourné à mes premières amours d'infirmier. Et voilà, ouais. Donc ah, yes. Non, c'est public aussi. C'est l'hôpital de... C'est ça. C'est pas toujours simple, hein. Dire que... Oh là là, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est normal. Là, j'ai fait le tour. Hop. Alors, bah, pas pendant les vacances, parce que c'était la pause. Mais on est sur depuis maintenant. Bah ça fait vachement longtemps, putain la vache. Peut-être 1 an et demi, 2 ans. On est sur la campagne qui s'appelle. J'ai oublié le nom. C'est du JDR. C'est COFS, donc c'est-à-dire Chroniques oubliées Fantasy. Et c'est la campagne Anatazérine. Donc c'est une campagne qui doit faire, je crois qu'il n'y a pas loin d'une quinzaine de scénarios, un truc comme ça. Donc c'est assez long quand même. Je me demande si c'est pas avec toi qu'on avait dû faire le scénario d'initiation. Avec toi, Gère. Et puis après, ouais, on était parti sur la campagne après. Et du coup, bah, ça se passe bien, c'est cool. Moi, je joue un barbare, un gros bourrin, comme je les aime. Hein? J'avoue que j'aime bien les gros bourrins. Mais ça m'est arrivé hein, d'essayer de prendre des persos à contre-emploi. Et c'est vrai que c'est marrant aussi. J'avais fait un barde une fois sur un JDR one shot avec Tidus. C'est des potes qui, lui qui avait organisé ça. C'était un truc un peu fun, un scénario un peu fun, un peu what the fuck. Mais oh. Mais c'était vachement sympa. Donc j'avais joué un barde et donc à chaque fois que je m'exprimais, c'était en chantant. Ils ont dit qu'ils n'en pouvaient plus au bout de 10 minutes. C'était assez drôle. Ah. Ouais. Oh là là.
C'est ça pour ça le jeu de rôle, c'est chiant quand t'arrives pas à trouver. Parce que c'est vraiment compliqué de s'organiser, trouver les dates, trouver les moments qui arrangent tout le monde. C'est. Ouais. Ouais, t'étais pas dedans, ouais. Mais je pense qu'il y a le côté. Moi, des fois, ce qui m'arrive sur les JDR en ligne, c'est que tu vois, je suis vite déconcentré par ce qui se passe à côté des. Donc, tu vois, genre, j'ai une notif Twitter, j'ai le chat qui vient, je sais pas quoi. Et du coup, bah, je pars un peu dans mes, dans mes pensées. J'écoute plus trop ce qui se dit. Puis au bout d'un moment, j'entends mon nom. Et Marc, tu fais quoi? Hein? Alors, oui? Si qu'elle est. Ouais. Ça, je pense que ça marcherait bien, ouais, effectivement. Mais c'est pas évident à mettre en place. Et puis ça pourrait le faire. Après, comme c'est compliqué parce que on utilise donc Roll20, donc la plateforme en ligne, la table virtuelle en ligne. Et ce qui se passe avec Roll20, c'est que bah tu enfin tu as le la, tu vois tu as le focus sur la table donc tu peux pas forcer c'est compliqué d'avoir ou si en fait Roll20 peut afficher les caméras en fait je suis en train de me dire finalement ouais si si ouais tu as raison donc en fait il faudrait vraiment utiliser Roll20 peut-être pas pour le son parce que le son est un peu pourri mais bon, peut-être pour les caméras. Salut Constant, à bientôt. Merci d'être passé, c'était cool. Ouais. Ouais, il faut que tu manges, c'est important, hein. Il faut manger, hein. Moi, j'ai mangé au travail, donc ça va. C'était pas terrible, d'ailleurs. Exactement. J'en ai profité. Ça me fait faire des économies. Ouais, puis tu sais, on jette pas mal, on gâche pas mal l'hôpital de bouffe, donc on se dit autant que nous, on se serve un peu parce que c'est vraiment, c'est déprimant quoi, tout ce qu'on jette. Merci, bisous, à bientôt, Jean. Ouais, salut. Allez, je vais y arriver. Ah, ça y est, ah. Oh là là, mais non, mais je m'en sors pas, hein. C'est satané diagonale. Bon, je vais pouvoir me reconcentrer à nouveau sur le chat. Génial. Actuellement, nous sommes une douzaine. A priori, 12. C'est bien. C'est cool. C'est bien qu'on soit si nombreux. C'est pas. J'ai pas trop l'habitude. Hein. Moi, vous me dites 3-4 déjà. Je dis oh ouais, super. Donc, c'est cool. Le RP Minecraft. Je crois pas. Ou alors vraiment de manière très anecdotique, comme ça, pour rigoler. Mais je crois pas avoir vraiment joué à Minecraft en mode RP. Toi, t'en as fait pas mal, je crois, Makiu. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Parce que t'avais fait carrément, t'as fait ta série. Tu as fait une série dans Minecraft. Ce qui, je trouve, est extrêmement dit compliqué à faire. Je suis impressionné. C'est pas juste un travail d'écriture. Il y a tout le côté Minecraft à gérer. Bon, voilà.
Après, j'ai tenté un petit peu le RP. Merde. Le RP GTA. Avec. Avec Marc-Antoine. Marc-Antouf. Et puis. Il y avait qui? Il y avait. Tempren. Casse-toi, toi. Casse-toi, toi. Casse-toi. Merci pour la nuit. Et puis, il y avait Isiro. Eh ben, c'était marrant. Je jouais un personnage tout pété. Je jouais un clochard. Voilà. Un vieux mec tout bourré qui fait n'importe quoi. Qui traîne, qui fait rien. Qui, des fois. Tombe dans des sales coups parce qu'il est naïf puisqu'il était naïf et un peu bébête. C'était vraiment ridicule. Mais je rigolais beaucoup à faire ça. Et après, c'était chiant parce que, en fait, dans GTA, si t'es pas sur un serveur, un très très gros serveur, en fait, il y a beaucoup de moments où tu recroises personne. Ou alors, faut vraiment chercher l'interaction en un dans les endroits où il y a le plus de monde. Mais il y a plein de moments où bah, tu vois personne, quoi. Et du coup, ça facilite pas l'immersion, quoi. Quand tu te fais chier tout seul. Quand tu fais le RP tout seul, c'est un peu limité, quoi. Bon, ça permet de farmer, parce qu'il faut aussi farmer un peu dans GTA RP. Aïe! Pardon, excusez-moi. Petit rototo au passage. Oh là 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 là, il y a un truc vert là. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé mon arc, c'était vraiment pas l'idée la plus logique. Ah bah bravo! Bravo pour le clochard. Bah, c'était marrant. Il s'appelait Eugène. Eugène Sokolov. Et puis, mais ça a pas duré très longtemps parce que en fait, on s'est vite lassé avec les gars et avec Tempren. Parce que c'était un peu relou. On était un peu. On avait du mal à trouver les moments où on pouvait jouer ensemble. Merde, putain. Non, c'est bon. Alors, j'ai dû poser un. Mais bon, je sais pas. Bref. Allez. Et voilà. Pourquoi. Voilà. C'est bon. Je sais pas pourquoi. Ah oui, en fait, j'avais pas fait ça. C'est pour ça. Allez. Pink Floyd. Quoi, Pink Floyd? Pink Floyd quoi? Pink Floyd? Eugène? Eugène c'est Pink Floyd? Comment ça Eugène c'est Pink Floyd? Il y a une chanson de Pink Floyd qui s'appelle Eugène? Ah moi Val, tu sais bien que je connais pas assez bien. Ah bah voilà, c'est bravo. Vous savez quoi? Je vais passer par là. Et puis c'est tout. Oui, monsieur, et tu la connais? Ah oui, c'est possible. Parce que tu me l'as fait écouter, peut-être bien. Voilà, c'est ça. Mais oui, je me souviens. Oui, je me souviens très bien. Mais non, mais oui, mais je vais l'écouter, je vais faire. Ah oui, celle-là, mais moi je me souviens pas des noms. Et je me souviens pas de mon code de carte bleue, t'imagines? Le nom des chansons, quelle idée. Allez, tu vas y arriver. Escroc. On n'écoute rien, vraiment insupportable. Mais on fait semblant, hein, de toute façon. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Globalement, on fait semblant.
C'est faut voilà, faut être honnête. Delacroix, c'était Eugène. Eugène Delacroix, le peintre? Ou le boucher charcutier? Moi, je connais surtout le boucher charcutier. Mais il s'appelait pas Eugène, il s'appelait Raymond. Alors, je sais pas si c'est de lui que tu parles. Il te faisait des côtelettes, mon gars. Un délice. Tac. Allez, je vais faire ce poteau-là. Comme on arrive. Aïe. Voilà. Ok, ça continue par là. J'ai oublié de prendre du bleu. Bah non, j'en ai. Bah alors? Ah bah il est déjà posé celui-là. Bah non, il est pas posé. Alors pourquoi tu veux pas m'en donner? C'est bien du blue stain. Ah mais non, ça c'est du bleu clair. Oh, quel imbécile. Sa spécialité, c'est la copa. Putain, on peut pas. Moi, je pense qu'on n'a pas le. Personne ici n'est en capacité de rivaliser avec Makio en matière de valeur. C'est le meilleur. C'est le meilleur d'entre nous. C'est notre champion. Il est trop fort. Je suis hyper impressionné. Même si je le connais, je sais bien comment il est, je le connais. Mais à chaque fois. Faut connaître le Raymond en question. C'est ça. Il te fait un tarif uniquement si tu fais partie de la famille. Qu'est-ce que je voulais? Du verre noir. Et voilà, il me reste une place. Je sais pas, je vais prendre de ça. Allez, on va dire que c'est bon. Ouais, on va faire celui-là. Je vois rien de ce que je fais, c'est vachement cool. Ok, c'est bon. Oh là, putain, je fais n'importe quoi. Mais tu fais n'importe quoi, mais c'est pas possible. Des vrais échafaudages en bambou. Bah ouais, mais faudrait qu'il l'ajoute à Minecraft, Charivari. Hein? Ça n'arrivera pas avant là, allez, 1,17 au hasard. N'importe quoi. Il se tape des barres et bon, tout à fait. Est-ce que je suis un peu fatigué? Ouais, c'est possible. Non, toi, tu n'as rien à faire là. Voilà. Allez, pause. Mais non, mais c'est pas possible. Je pointe le mauvais endroit. Quel imbécile. Et les racines de mangrove pratiques pour faire des échafaudages en plus solides. Ah ouais, pas bête.
Ton Raymond qui rigole. Il aurait des drôles d'occupations. Quoi? Putain. C'est tellement tordu, les vannes de Macu des fois, que je j'arrive pas. Macu, pour moi, c'est un peu le Bobby Lapointe moderne, quoi. C'est le mec, il te fait 16 niveaux de jeu de mots dans la même phrase. Ce qui fait que c'est. Voilà, il te faut 5 ans pour comprendre toute la subtilité de ses propos. Voilà. Et il finit toutes ses phrases par deux chevals. Mais c'est pas possible que c'est possible. Mais c'est pas possible que c'est possible, ça aussi. C'est de la sorcellerie, ça, ou quoi? S'il se tape des barres, le poisson. Ah ouais. C'est ça. J'ai une blague, c'est la fameuse blague zoophile. C'est un mec qui rentre dans un bar. Voilà. Il y a celle aussi du mec. C'est un mec, il prend son élan. C'est nul. C'est un peu nul. C'est un peu nul. C'est très nul. C'est extrêmement nul. J'ai honte presque. Pour ce pauvre bar qui n'a rien demandé. Non, mais l'encourage pas! La blague est valide. C'est honteux. C'est honteux, mais j'ai même pas honte. C'est l'histoire d'un amputé qui prend ses jambes à son cou. Ouais, ok. Voilà. Vraiment. C'est des blagues de culture, ça. Faut avoir de la culture, ça, pour les comprendre, ces blagues-là. Et si t'as pour la culture, hein, tu peux pas comprendre, hein. C'est comme ça, hein. Flûte. Allez, viens là. Bonne nuit Bastien, merci d'être passé, c'est cool. Et Raph nous a quittés de manière absolument tragique. On commence à avoir une bonne visibilité. Flûte à bec ou Yon? Voilà, on commence à avoir une bonne visibilité, une bonne vision de ce que va donner le bâtiment. Il y a des mobs qui apparaissent comme ça juste devant mes yeux. Je trouve ça absolument honteux, c'est de la provocation. Alors je sais pas ce que c'est ça. Je me souviens pas avoir fait ça. Pourquoi il y a ça là? Qu'est-ce que j'ai voulu représenter là? En plus, c'est dans le vide, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est là, en fait? Un bon aperçu, oui.
C'est quoi les machins verts en bas? C'est des creepers. Les creepers, c'est des espèces de pénis verts qui marchent sur leurs testicules et qui explosent quand ils s'approchent de toi. Donc ils s'approchent silencieusement et là d'un seul coup t'entends et si tu es mal équipé, il y a des chances que tu n'en ressortes pas vivante. C'est des copy-paste. Non, je pense qu'elle parle des creepers. Après, il y a les zombies aussi. Bah oui. Clairement, c'était pas à la base, c'était pas une bonne idée de leur part, mais bon. Voilà. On leur a mal expliqué aussi. Moi, je pense que c'est pas de leur faute, hein. Attends, on va essayer d'en trouver un. Regarde, il y en a trois là. Regarde, ils me suivent. Et voilà. Et voilà. Et c'est vraiment très. Quand tu es dans les grottes, dans le noir, que ça fait 10 minutes que tu arpentes les grottes, ça fait un peu peur. Marco est bien équipé. On va se calmer là. On va se calmer. C'est pas parce qu'il n'y a plus la caméra qu'il faut imaginer des trucs. Enfin, je peux pas vous empêcher, hein, mais bon. Putain, il y en a partout. C'est affreux. Pour les blocs qui volent, on avait fait des tests en créa avec du copy-paste il y a super longtemps. Ah, peut-être. C'est possible. Vis-à-vis ton skin sans armure. Pour de rire. C'est vrai. Bah en début de partie, hein, tous à poil, hein. À savoir que c'est. C'est toi, Makiusik? Bah oui, non, c'est pas. C'est tout le monde, en fait. En tout cas, première fois que j'ai rejoint un serveur multi, autre que celui que j'avais créé avec Kalen. Et bah, Makiu, il était là. Bah oui, on n'est pas loin. Si on peut même plus s'amuser. On a le droit de s'amuser, ça va. Je suis d'accord pour qu'on s'amuse. Ça te rassure? Moi, je suis d'accord pour qu'on s'amuse. Voilà. Ok. Ça vous dit qu'on jette un œil au bâtiment en entier pour voir ce que ça donne? Ouais, mais il est pas loin en plus, Makio. On se calme, hein, les creepers, hein. Je rigole pas avec ces choses-là, hein. Je vais les avoir. Je sais comment faire. Hop! Ha. Ah, sauf que j'ai peut-être plus accès. Ah si, c'est bon. Allez, on va mettre le bâtiment en entier pour voir ce que ça donne. Ouais, bon, on va faire allez, hop. Voilà. Donc voilà le bâtiment en entier. On a fait un tout petit bout. Oui, j'ai avancé, mais enfin, quelque chose qui reste à faire. Ah, c'est déprimant. Non, non, c'est cool. Mais voilà le bâtiment en entier. Je dois faire 200 mètres de haut. 200 blocs, pardon.
C'est un ouais, c'est un gros c'est un gros projet. Ouais, il est cool. Alors la difficulté de ce bâtiment, c'était les diagonales. Puisque comme vous pouvez le voir, il y a des diagonales. Donc il fallait trouver un design voilà où qui suive les diagonales, que ce soit cohérent, qu'il n'y ait pas de cassures, d'erreurs. C'était pas évident. Et puis en fait, voilà, ça l'a fait. Bah, 200, c'est pas énorme, hein, c'est clair. Ici, il y aura très certainement des bâtiments qui vont faire beaucoup plus. Surtout que le haut va être. Attends. Le haut va être. On va compter l'antenne. Hein? Si on compte l'antenne. On est à 260, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Donc on peut monter encore de 60 blocs, quoi. On est à 200 mètres. Merci, Charlie. Et voilà. Donc c'est ça que ça a donné. Et après, à l'intérieur. En fait, chaque étage, donc le rez-de-chaussée qui est un peu particulier, donc, ouais, qui est quasiment sans déco. Il y a ça là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, faut que je vire. C'est un. Je sais pas ce que c'est. J'ai oublié de le virer, il faut que je vire. Donc en fait, chaque étage est fait de manière à ce que. Comme la baie vitrée là, en fait, elle pivote. Donc là, elle est orientée ici. Là, elle est orientée ici, donc vers là. Donc à chaque fois, l'étage est pareil et est fait de manière à être tourné toujours vers la baie vitrée. Donc il y a une espèce de cage d'ascenseur qui est centrale, une cage en verre, au sens d'une cage. C'est censé représenter une cage d'ascenseur, hein, donc on ne va pas trop se prendre la tête. Et au centre, et donc voilà. Il y a un serpent dans ma botte. Mais il ne faut pas laisser ça comme ça! Et donc il y a juste cet étage-là, non c'est celui d'après que j'ai décoré. Donc voilà, techniquement, normalement, c'est ça, c'est une zone qui est faite de trois étages de bureaux, avec un hall assez grand ici. Je vais vous montrer à l'étage suivant. Donc là voilà, le hall est décoré ici. Oh, j'ai mis un petit peu de déco, des petits canapés, voilà, des petits endroits pour boire un coup, nanana. Et puis bon, on peut imaginer. Alors c'est vraiment décoré très succinctement histoire d'avoir une idée de ce que ça pourrait éventuellement être. Mais je pense que je vais même pas poser la déco. Voilà. Et donc il y a trois étages et après il y a cette partie-là, la grande verrière finale, qui est inclinée, qui est similaire à celle qui est en bas. Plus voilà, le truc technique là à l'étage. C'est même pas tout à Il y a des trucs, c'est même pas tout à fait fini hein, si on regarde bien. Faut pas trop s'arrêter sur les détails. Hein. Et les trucs, je sais pas ce que ça fout là. Hein. Mais c'est pas grave. C'est le design global, le design général du bâtiment, il est fait, il est bon. Ça ferait un super loft. Bah ouais, carrément. Mais t'imagines, si tu pars du principe que un étage comme ça, c'est un appartement. Avec un immense hall, et puis après trois niveaux pour faire salon, salle à manger, chambre, etc. Ce serait vachement cool, mais bon, un peu pété quoi. Alors, ben c'était à cause des blocs de béton blanc en trop en bas du bâtiment. Je trouvais que ça ressemblait à un serpent. Mais je suis d'accord avec toi, tout à fait. On y invite Lona Stevie. Bah ouais. Elle va pas très bien, Lona, je crois. Elle est pas très en forme. Y a rien qui soutient le toit à droite. Monsieur. T'inquiète. Tout est pensé, c'est créé par un architecte. C'est hyper bien pensé. Hein.
Alors, je peux essayer de vous montrer. Je peux essayer de vous montrer. Ah, attendez. Normalement, j'ai gardé ça quelque part. Mais je sais même pas si je vais le retrouver. Alors, attendez. C'était dans la conversation avec Mimi Schmuche. Salut Jean-Mi Schmuche. On savait pas quoi faire. Je crois que c'est bon que c'est par là. Pour ton anniversaire. C'est bon, je l'ai trouvé. Bah, finalement, c'était rapide. Alors, on va activer le navigateur. Hop, voilà. Donc, c'est ce bâtiment-là dont je me suis inspiré. Alors, non. Oh, tu arrêtes, s'il te plaît, merci. Voilà. Donc, alors en fait, le basilic du pesto. La G Tower. Oui, c'est ça. C'est la G Tower. Tu connais la G Tower? Ah oui, d'accord. Il est fort, Mickaël. Comment ça tient en haut? Ça tient par la force de la gravité. Oui, alors c'est bien parce que j'avais pas mal de photos, pas mal d'images de l'intérieur. Donc ça, j'ai essayé de représenter ça, là, ces armatures en métal avec le verre derrière. Enfin, ça, c'était compliqué. Alors déjà, ça, je crois que c'est un bâtiment annexe. Donc c'est les petits bâtiments qu'on voit là. Ceux-là, je les ai pas représentés. C'était trop compliqué, j'avais pas suffisamment de visuel. Et ça, je pense que c'est le dernier étage. Ça tient parce que voilà, il y a des armatures. C'est pas très clair, hein, l'histoire. On ne sait pas trop en fait. On est encore en recherche de comment ça peut tenir. Donc évidemment, c'est pas du tout fait comme moi je l'ai fait. Hein. Même s'il y a ce côté un peu une partie centrale et puis un hall extérieur, mais il y a quand même plus de. Il y a quand même plus de salles, plus de. Voilà. C'est pas du tout fait pareil. Ah oui, c'est vrai que tu avais vu la rediff. J'en avais déjà parlé, je pense. Très probablement. La fameuse J-Tower. Bah donc ça, voilà, c'est un beau bâtiment que j'aime bien. C'est à. Où est-ce que c'est déjà? Incheon. Alors je ne sais pas comment ça se prononce. On va voir. Est-ce que nous dit Google Trad? Google Trad. Je vais aller sur Google Translate parce que sinon je vais pas avoir la prononciation. C'est du coréen. C'est du coréen. Hop. Est-ce qu'on peut avoir le son? Incheon. 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 Voilà, c'est pas comme ça que ça se prononce. Istanbul. Bah non. Non, c'est en Corée. Corée du Sud. C'est. Bah, de toute façon, c'est simple. Hein. Si je clique là. Non, on va chercher sur Google Maps. Incheon G Tower. Qu'est-ce qu'il raconte le site alors? C'est là. Alors on va passer en vue. Merde, c'est pas là. Ah, oh, je suis perdu dans Google Maps. C'est là, voilà. Pardon. Elle est là. Elle est ici. C'est bien la Corée, hein, c'est bon? Je la vois bien, elle est là. Et il y a ce bâtiment-là aussi qu'on avait vu avec Mimiche, qui est un espèce de, d'amphithéâtre un peu étrange. Oui, voilà. Merci pour le lien. Ah, il y en a peut-être plusieurs. Oui, c'est possible. Une boîte de nuit un peu spéciale. Un peu spéciale. Il y a surtout une piste d'équiloptère. Une piste d'équiloptère.
C'est une forme de coléoptère assez gros, dont les ailes tournent sur elles-mêmes, ce qui lui permet de se déplacer assez vite. Un échiloptère. Par contre, il est gros, quoi. D'où le nom kilo et kilo. C'est un cheval, un gros cheval à hélice, échiloptère. Ça s'écrit comme ça. Un échiloptère. Échiloptère. Il porte les œufs aussi. Oui, bien sûr, ouais. Échiloptère. Les œufs d'échiloptère. C'est hyper bon, c'est fin. C'est très fin, les œufs d'échiloptère. C'est un peu. Attendez, je voulais virer ça parce que ça sert à rien. Voilà. C'est un peu comme des œufs de caviar, mais c'est plus gros. Ça fait la taille d'une balle de tennis. C'est ça. Il y en a deux, trois sortes, les chevals. Ah oui, alors avec une petite sauce au pesto ou du piment d'Espelette, ça c'est un régal. C'est vraiment c'est un plaisir à bouffer, ça c'est. Et donc là, il y a ce bâtiment-là qui est très sympa. Alors, c'est pareil, je me suis dit, tiens, on pourrait tester. Mais bon, là, ça devient compliqué, là. Faut arrêter de déconner, quoi. Mais dans le coin, là, il y a des constructions très surprenantes, hein. C'est vachement sympa. Hop, il y a aussi des gens qui font de la musique, des trucs un peu chelous. Voilà. Il y a ce pont-là, voilà, par exemple, qui est très joli. Qui est assez surprenant. Mais c'est vraiment un coin avec au niveau architectural, c'est très cool. Ça, j'aime bien aussi. Là, il y a un monsieur qui fait de la guitare, mais de manière très floue. Je sais pas pourquoi. Voilà, il y a plein de choses très sympas dans le coin. Il y a ça. Donc, on n'aura pas le droit de voir la photo en grand, c'est pas grave. C'est un fameux trois-mâts. Enfin, comme un bateau. Ici haut. Un totem, voilà, c'est ça. Un très beau totem. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit de voir la photo, c'est pas grave. Là, une belle vue de la G-Tower. Très belle G-Tower. Voilà. Et là, c'est Jacqueline qui allait prendre des photos. Très sympa, Jacqueline, vraiment. Ouais, elle fait un bœuf mironton. Vraiment sympa, vraiment nickel. Voilà, donc là je ne sais pas ce que c'est. C'est une petite voiture, un peu cassée. Aucun intérêt. Et je baille. Ah. Bon, je pense que je vais arrêter la construction de Minecraft là. Je vais vous virer le navigateur qui n'a plus rien à faire ici. Voilà. Hop. Donc voilà, ce sera ça la G-Tower. D'ailleurs, ça se dit comment en coréen? J'ai à voir. On va regarder. Attention. Ça se dit comment? Chi Tower. Ce sera la Chi Tower. Bœuf mironton, mi quoi? Une Lamborghini, ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ma mère? Mais je l'aime beaucoup. Mais c'est le prénom. C'est le prénom. Elle a mal choisi son prénom. Elle aurait dû en prendre un autre. Sais pas. Elle peut peut-être changer à l'état civil, non? C'est possible, ça? On doit pouvoir. Bonjour. Je souhaiterais changer de prénom parce qu'il y a un gars sur Twitch. Il arrête pas de vouloir l'utiliser. Et du coup, bah, c'est gênant. C'est pas pratique. Donc, je vais changer. N'importe quoi. Donc faut absolument que je vire ça qui sert à rien. Voilà. Et ça, je sais que c'est là. Je me demande si j'avais pas si c'était pas en rapport avec le fait que je voulais mettre un ascenseur. Au départ. Trop tard et d'une façon péjorative. Ben, je sais pas quoi dire. Je suis fichu. C'est fichu. Je vais devoir passer ma vie à m'excuser après tout ce que j'ai dit de méchant. Je sais pas. Je suis. Ben,
Bah, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mes affaires. Tac, je vais faire comme ça. Voilà. Là, il y a quoi? Là, il y a ça. Là, il y a du verre, machin. Voilà. Ouais, nanana, verre noir. Après, il y a des vitres noires. Voilà. Ok. Là, je vais faire hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Ça, je le garde, trop important. Voilà. Tac, 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 tac. Mince. Voilà. Et pour ma pénitence, je vais me fighter à poil contre tous les mobs que je vais rencontrer. Viens te la mettre, enfoiré! Tu crois que tu peux m'avoir? J'ai fait des années de MMA, moi! Salaud, va! Allez, viens te la mettre! Aïe! Aïe! Qui c'est qui essaie de ma... Non! Pas par derrière! Ah! Voilà. C'était ma pénitence. Par contre, je vais pas rester à poil longtemps parce que elle barrait. Ah! Mais 53 levels, c'est pas grave. J'irai passer 5 minutes au... Vous avez vu? J'ai pas envie de le tuer, lui, il a l'air sympa. Ça fait vraiment bizarre. Mais arrête! Tu vois pas qu'on est pareil, toi et moi? Pourquoi tu fais ça? Bizarre l'ambiance. Salut, lui, à Paul. Comment ça va? Bizarre l'ambiance, il dit l'hôtel. Ceux que j'emmène la vie sont plus cool, hein. Ouais, mais ils ont pas une tête de Hulk. Tu as une tête de Hulk. C'est trop classe, les têtes de Hulk. J'ai oublié de manger. Bonne nuit, Mickaël. Malnutrition, bah oui, c'est ça. Il est où? Il est là. J'ai pas envie de le perdre, il a l'air sympa. J'ai envie de te garder, te mettre dans un coin. Et puis te conserver pour toujours. Tu es mon ami. Arrête de m'envoyer des flèches, tu es mon ami. Sois mon ami. Ah, bon. Bon, bah. Tant pis. Ouais, j'avoue, il était stylé. Allez, on va mettre la tête sur le four. Voilà, donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais faire des tests pour réparer ce qui marche pas dans le, le live. Donc si ça vous saoule, vous pouvez partir. Je vais juste essayer de réparer les trucs qui ne marchent pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en trigger. Trigger spec. Je vais faire une belle vision en... de loin. Alors ce bâtiment est trop grand. Du coup, si je veux le voir en entier, il faut que je sois loin. Mais si je suis loin, eh ben, il disparaît. Pour le conserver, il y avait le Night Club. Si, j'aurais pu le capturer, mais c'est chiant à faire. C'est hyper chiant à faire. C'est vraiment casse-couille. Faut trouver. Faut l'attraper qu'une laisse ou le mettre dans un minecart ou un bateau. Un minecart, c'est un espèce de petit chariot de train. Et voilà. En fait, il est mort parce que sur mon équipement, j'ai
un enchantement qui s'appelle Thorn, ou épine en français. Thorn, c'est écrit comme ça. Je le prononce extrêmement correctement. Et donc, quand je prends des coups, ça fait la personne qui m'attaque prend des dégâts. Donc en fait, c'est pas mal. No OBS trigger yet. Mais je crois que je suis pas obligé de faire un OBS trigger normalement. Normalement, ça suffit. Alors attendez, voir. Donc c'est ça. Propriété. Non, d'utiliser un débit d'image personnalisé. On s'en fout. Rafraîchir le navigateur lorsque la scène devient active. Ok. Est-ce que je peux pas tester? De toute façon, on va faire point de chaîne. Hein. Ça fonctionne! Incroyable! Ça fonctionne! C'est incroyable! Comment ça se fait que ça fonctionnait pas tout à l'heure? Mickaël est parti. Mince. Dommage. Lui qui est mettant. Il y en a plein. Hein. J'en ai mis vraiment énormément. Et voilà. Nathalie Imbruglia. Ben voilà, c'était pas si compliqué de réparer. Franchement. Voilà, c'est réparé. Oh, il y a quelqu'un qui a fait un clip. Un son familier, bah oui. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait des choses qui te feraient plaisir. On peut faire des combos en plus. Ah bah tu sais, c'est pas con, faudrait faire des trucs qui se répondent. Mais ça devient compliqué à gérer. Le combo, bah c'est par exemple. Alors il y a. Non, c'est plutôt les trucs familiers, c'est plutôt ce qui est en rapport avec Kaamelott. Il a fallu un peu de temps, mais c'est sorti. Tac. Donc ça fonctionne. Alors après, en fait, le problème, c'est que j'ai utilisé tous mes droits en matière de micro-scénette de vidéos très courtes. Donc j'ai pas le droit d'en utiliser d'autres. Ou alors faut que je fasse que des sons. Normalement des sons je pourrais. Parce que le truc que j'utilise donc c'est Firewire avec un Y à Fire. C'est Trigger Fire en fait de Firewire. Trigger Fire. J'ai le droit à 20 vidéos. Les rayons gamma, bah c'est en fait c'est ça, c'est des points de chaîne. Et tu peux acheter quand tu cliques sur rayon gamma,
tu vois qu'il y a des choses à acheter, donc c'est des petites interactions avec le chat ou avec voilà. Et donc ce que j'ai eu envie de mettre en place, que je trouvais drôle, c'était des petits extraits vidéo comme ça, marrants. Donc je vais pas tous les faire parce que les gens ils ont envie de les découvrir. Mais oui, c'est pas faux. 590, attention, ça part vite, hein. En fait, plus tu viens souvent, plus tu restes longtemps sur les lives. Et puis si jamais un jour... Est-ce que ça se combine pas mal, hein? C'est quoi ça? Si c'est pas un bâtard celui-là? Ça vient de J'ai jamais su dire non. C'est une web série qui est écrite et réalisée par Slimane Baptiste Beroun. Donc c'est un gars de la team French Nerd, donc un pote à François Descraques. Et c'est vraiment une super web série. Et après la deuxième saison, ça s'appelle... Je te mets le premier épisode de J'ai jamais su dire non si jamais tu connais pas. Si j'arrive. French Nerd. Je ne craque pas. Si, si, tu peux craquer. Voilà, J'ai jamais su dire non, c'est vraiment très drôle. Et la suite, donc, c'est la théorie des balls. Parce que dans j'ai oh là putain, dans J'ai jamais su dire non, il y a un personnage qui est joué par Mathieu Poggi. C'est le pote du héros, mais le pote qui squatte chez lui, qui est hyper relou et le pote qu'on déteste avoir. Il a une théorie sur la vie, c'est la théorie des balls. Parce que dans la vie, il faut avoir des balls. Voilà. Et donc, voilà, après, il y a toute une histoire à la con. Et c'est vraiment très drôle. Et il y a 3 saisons au total, je crois. Donc, il y a J'ai jamais su dire non, la théorie des balls, et... Ou alors, c'est... J'ai un doute sur... j'ai un doute. Attendez, je regarde. Ah, il y a la théorie des balls et ensuite il y a le secret des balls. Le secret des balls, il y a une enquête et tout. C'est un peu, ça part un peu en vrille. Le Real. Ah, François. Putain. Oh la vache. La vie ne fait pas l'avoine. Bah oui, François, des craques. Non, tu ne craques pas. Mais tu sais, tu es trop fort en humour. Moi, je n'arrive pas à suivre. Je n'y arrive pas. Mais tout ce qu'on fait French Nerd, c'est très drôle. Il y a les grands débats aussi qui sont très drôles. Speed Detective, c'est très marrant. Ils ont fait une émission, à un moment, ils n'en ont pas fait beaucoup, mais French Quiz, c'est très drôle. Il y a des petits courts-métrages, il y a plein de trucs. Ouais, je conseille. C'est très bien. Les grands mecs, déjà. J'avoue, moi aussi. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, bah écoutez, j'ai réparé Trigger Warning. Qu'est-ce qui marchait pas? Je crois que tout marchait, hein. Les alertes, c'était bon. Streamlabs, c'était quoi, déjà? Ah oui, Streamlabs, c'était les... Bah non, c'est quoi, Streamlabs? Ou c'est les commandes. Je crois que les commandes, c'est bon, hein.
C'était vraiment nul. C'était pas nul. C'était très bien. Ça m'a beaucoup plu. On va s'arrêter là, les copains. C'est de la petitophobie. Non, 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 non. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les petits, hein. Puis tu n'es pas si petite que ça. Tu as la taille, tu as une taille tout à fait correcte, Val. Moi, je la trouve parfaitement correcte. Et adaptée à toutes les situations. Sauf celle où il faut être un peu plus grand. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Tu as quelque chose à demander? Non, non. Pas comme ça devant tout le monde, enfin. Ça ne se fait pas. Seulement en MP. Ah ça y est, ça dit des bêtises. Ah bah bravo. Bon, je constate qu'il y a eu zéro publicité pendant ce live. C'est bien. Je préfère que les gens n'aient pas de publicité. Bon bah voilà, c'était cool. Ici, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé. Que des gens trop gentils. Chut, grand fou. Ouais, si tu as les pieds sur terre, t'as la taille qu'il faut. Qui ça? J'arrive pas à lire ta... C'est bizarre, ton message, j'arrive pas à le lire. Il y a... Ouais, je sais pas. Il y a un message qui passe pas. Ça a été censuré, je pense, par Twitch. Ouais, c'est bizarre, hein. J'arrive pas, hein. C'est... Il y a... Non, non, les lettres, elles correspondent à Tu vois pas non plus. Bah ouais, tu vois, il y a que toi qui le vois, Macius, ce message-là. Bizarre. Ça m'a fait un bien fou de te voir. Bah pareil, Macius, hein. Enfin, je t'ai pas vraiment vu. Je t'ai vu, j'ai vu tes interactions. C'était quand même vachement bien. Et la prochaine fois, tu viens en vocal, hein. Ah? Ah oui, mais t'as peut-être ton bébé, peut-être que c'est compliqué. Prochaine fois. C'est étrange. Alors ça, c'est bizarre. Il y a un message de Macu qui est illisible. Bon, allez. Je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous. D'interagir avec nous. Bah oui. Moi aussi, j'aime bien interagir avec toi. J'aime bien. Faites pas trop de bêtises et puis je pense que je vais en refaire un demain. Et puis en plus comme ça, comme les points de chaîne ça fonctionne, et ben ça va être cool. Voilà. Allez des bisous. À bientôt. Sors tes couverts si tu passes à l'autre. Trop marrant. Allez, j'arrête là. C'est fini. C'est fini, j'ai dit. Arrêtez s'il vous plaît, hein. Vous... Non. Vous...